Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Une fonction que vous avez peut-être sur votre four combiné vapeur ou que vous aurez sur votre futur four, c'est la fonction fermentation ou autrement appelée laisser lever la pâte. Alors à quoi ça sert? Ça permet de faciliter la levée de pâte car l'ennemi ce sont les courants d'air. Donc tout ce qu'on va faire ici, on va préparer du pain tout simplement et on va mettre dans notre four vapeur combiné. À ce sujet, vous aurez un article sur mon blog paru sur notre site de vente en ligne, vous aurez un article qui parlera des fours vapeur combinés. Voilà, fin de la parenthèse. Donc maintenant, on va mettre ça dans un four à 40 degrés avec de la vapeur et vraiment dans un endroit hermétique, ce qui va vraiment faciliter la levée. On peut le faire une fois ou deux selon vos goûts, selon comme vous préférez votre mie. Très simple pour faire du pain, farine blanche, on a utilisé ici de la T55, du sucre, du sel et de la levure. Remarquez que je ne mets pas en contact le sel avec ma levure, ce qui peut des fois anéantir l'effet de la levure. Donc maintenant, on va ajouter de l'eau. Ici, on a 210 ml d'eau qu'on va ajouter directement pendant que le robot prépare. Voilà, la pâte est prête. Alors elle est bien lisse. Ok, on va maintenant mettre ça au four à la fonction fermentation 40 degrés pendant 30 minutes. La demi-heure de fermentation est faite. Première montée terminée, donc vous voyez que ça a bien bougé et qu'il a bien gonflé. Alors on va aller retirer la pâte par le côté, par en dessous, on va vraiment chercher. Voilà, prêt pour la deuxième montée, la pâte a été un petit peu retravaillée, on le replace dans le moule et on l'enfourne pour une deuxième montée. Voici la deuxième fermentation. Alors, c'est très simple. Maintenant, le pain est prêt. On va tout simplement directement l'enfourner dans notre four ici, préchauffé à 180 degrés. Pour 35 minutes. Alors, la recette était vraiment pour vous montrer que la fonction fermentation fonctionne bien, ça permet de bien faire lever un pain. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Comme ça, vous avez vu qu'on peut vraiment utiliser toutes les fonctions de son four. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. Continuez à les partager sur Facebook et sur Pinterest. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez des pouces et des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !